Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2. Et je viens tout juste de passer mes bêtises et débloquer un paquet. Je vais l'ouvrir avec vous, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Comment ça se passe, etc. Et voilà, on obtient 5 cartes. Alors, une carte rare, toutes les classes. Charge, bouclier divin. Ça, je pense que je compte pour ma nouvelle place. Toutes les classes, crit de guerre, plus 2000 attaques, un serviteur, c'est pas mal aussi. Confrère, plus 3, un serviteur blessé, c'est pas mal, saccage pour mon guerrier. Ah, pour mon guerrier, ça va être bien. Toutes les classes, chaque fois qu'un serviteur man meurt, plus 1 point d'attaque, c'est pas mal aussi. Et attention, paladin, quand votre adversaire joue un serviteur, ses points de vie sont réduits à 1. Oh, c'est bien ça. C'est très vilain. Donc je vais aller dans ma collection et créer un nouveau deck. Un deck de chaman. Même si là le deck carré me fait bien envie de voir ce que j'ai gagné. Alors, en tous ces points de vie à un serviteur qui lui confère provocation. Et moi ça, je vais les mettre. Confère à un personnage allié plus 3 d'attaque pendant son tour. Je mets. Inflige un point de dégâts à un personnage à personne. Je le dévends direct. Transforme un serviteur en grenouille de provocation. Je vais mettre ça, ça m'en fait 10. Il me reste 20 cartes même. Alors, non, je ne jouerai pas Murloc. Que quand je les aurai toutes, ça sera cheaté. Un docteur voodoo, parce qu'on sait jamais. Un elfe. Après, j'ai mis ça en 1. Cette carte, obligée. Obligée. Celle-là, oui, pour piocher les cartes. Non, je vais en mettre qu'une. Allez voir. Je vais mettre de la provocation. Puis, toi, oui, parce qu'avec mes... Ça va passer, ça. Je vais te mettre toi, il me reste 9. Alors. Non. Pour une fois, je vais pas te mettre toi. Provocation. Il me provoque. Après. Attention, attention. Cri de garden à l'attaque. Serviteur pendant un tour. Oh. Toi. Toi je te mets. Toi je te mets. Je vais aller dans les un peu plus fortes. Toi je te mets, j'avais dit. Toi. Toi. Et non. Non, je vais pas aller trop loin. Je vais en prendre une à 4, mais je ne sais pas. Voilà, allez, mettre panda. Je pense que je vais jouer comme ça. J'ai 8 cartes de 1, 4 cartes de 2, 9 cartes de 3. Et... Ouais, 2 cartes de 0. Ouais, c'est bon. C'est pas mal du tout, les amis. C'est pas mal du tout. Donc, on va se retrouver tout de suite pour combattre le druide, le... Je ne sais plus du tout druide, et je ne sais plus qui, ou je ne sais plus, je suis perdu. Et on va se retrouver tout de suite, je vous dis à tout de suite. Et... on est reparti. Alors... Alors... Normal. Et on prend un chaman, on va faire se taper le druide et le prêtre. Oh putain. Oh. Et classe des fronts. Qu'est-ce que c'est casse-couille. Corruption des cartes. Carte basse, option de reprendre. C'est des cartes exprès pour obtenir des paquets experts. Et oui. Alors, ajustement des decks. On va tout donner. Troll contre Malfurion. Je dois vous protéger. Pour marteau du destin. Ouf, ouf. Au revoir, toi. Allez, des bonnes cartes, des bonnes cartes. Yes, yes. 1, 2, 3, 4, 8. Alors, quel est son pouvoir spécial? Plus 1 d'attaque, on en se fait plus 1 d'armure. Ok, il est pété. Donc je vais provocation. Il n'y a que ça. Cette carte, je l'ai prise parce que quand on va mettre des serviteurs comme ça, c'est super utile. Ok.
Ok. La pièce. Une petite provocation. Et fin. Il va jouer qu'avec son pouvoir spécial. Ah non. Une petite provocation. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Butez-le! Butez-le! Alors, peux rien faire, peux rien faire. Je le laisse péter la gueule sur moi. Voilà. C'est nickel. Une bête. Hop. Élément, guidez-moi. Élément, guidez-moi. Hop, on n'en parle plus. 3. On va invoquer un totem. Alors. Le gars de sort plus 1. On bat les couilles. Frère. On bat les couilles. Non, je rigole. Bon. Bah, c'est toujours ça pris, hein, mais bon, je pense que... Au calme. Je pense qu'il va l'attaquer lui en premier. Honnêtement. Ah non. Ah bah non, il peut pas. Oh mais c'est mal joué cette ta part. Quoique. Moi en fait j'en sais rien. J'allais dire autant de cristaux, non. J'ai peur. Moi je vais t'invoquer, mon frère. Hein. Alors toi. Provoque. Ah j'achète. Ah non non. Je n'ai pas assez de mana. Ah, dommage. Assez de mana. Dommage. Que j'aurais pu utiliser son truc spécial. Tant pis. Allez, bouche. Travail terminé. Travail terminé. Faut que je réfléchisse un peu plus. C'est cheaté. C'est cheaté. Non. Oh le go. C'est cheaté. Bonne nuit. Voilà, ça on n'en parle plus. On peut faire ça. Ce qui fait que toi, tu niques lui. On peut faire un petit peu. On peut être un petit peu casse-couille. Frappez fort! Frappez fort! Voilà. Toi, s'il te plaît. Serviteur toi, à déjà. Travail terminé. Et je parle tout seul depuis tout à l'heure. Ça c'est pas très intelligent. Pas quoi que. Je sais pas. Je sais pas. On va faire comme ça. Contemplez la puissance de Hurlement. Un chacun. Oh, il reste un pays. Et la dernière fois, un pays près, j'ai perdu. Ne l'oublions pas, chacun. Tac. Fini. Fin du tour. Travail terminé. Pour Naz Jata. Là, je vais. Et là, je vais puncher. Oh! Le mec qui m'a regardé, il m'a fait... Ouais. Sauf que j'ai fini. Et en beauté. Vous appelez ça une arme, Furie des vents. Et voilà, la furie des vents, c'est magique. Pour l'Alliance. Pour l'Alliance. Oh non, 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 non. Bah là, vous voyez, il y a un geste, là. Pourquoi vous ne le voyez pas, mais c'est pas grave. On fait waouh, tadadada. Oh j'ai mis cher. Et un level pour moi. Je dois protéger la nature. Non même pas. Si. Pour faire plus 3 d'attaque à vos serviteurs pendant ce tour. Ouais, ça peut être utile pour plus tard. Je verrai. Pour l'instant j'enchaîne. Je vais enchaîner. 12 sur 20. À moi le prêtre. Je déteste jouer contre les prêtres. Alors l'autre. La dernière fois, bah contre Martellis, je joue contre lui, mais son prêtre double les PV de votre personnage.
Il y avait déjà 7 PV de base, 14. Redoubler PV pour personnage, 28 PV. Et il a mis la carte, les PV passent en attaque, 28 d'attaque. La lumière nous apportera la victoire. Pour marteau du destin. Carte supplémentaire, yes. Yeah. On garde, on garde. Bah non, mais là je peux me permettre de jouer sans monstre. Ne vous inquiétez pas, vous avez... Quelqu'un est blessé. Ah, j'ai goûté cette carte. Allez. Qu'est-ce que vous voulez? Une provocation. On en parle plus. Paf. Et paf. Ce n'est pas une cible valide. Élément, guidez-moi. Travail pour nous. Mal calculé ma main. Tas dingo. Oh là là, il va jouer comme moi. Par contre, j'apprécie pas trop cette carte. Si tu pouvais. Merci. Ah, est trop belle. Franchement, le fond, je kiffe. C'est même chose que je m'achète avec Galaxy comme ça. Chaussures de foot, bien sûr. N'oublions rien. Aïe, on se remet dans le bain. Oh là là, je vais faire tellement mal. Tazingo. Oh. Oh, ils vont rien faire. Ah. 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 On va faire comme ça. J'espère que vous aimez mon invention. Ah non, putain. Ouais mec. Ouais mec. Je vais pas me la faire comme ça, je vais mieux jouer Fury des Vents. On pourra pas se jouer Fury des Vents. Mais par contre... Oh là 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 là... Pour le Norfondre ! Ouais mec ! Oh, si c'est ce que vous voulez... La victoire ! Oh oui ! Ou la mort ! Oh oui, merci. Et puis c'est tout. Excusez-moi, j'étais en pleine réflexion. Un tir. J'avais oublié qu'il y avait charge. Vous voulez du plaisir? Vous appelez ça une arme? Vous avez réfléchi à ce que je veux dire, vous. La victoire ou la mort? La victoire ou la mort? Oh là là, je me fais plaisir. Quelqu'un est blessé. Oh non, il va se soigner, il va piocher une carte. Alors, ah dommage que je mette pas de 10, ça aurait pu être utile. Bon, tant pis. Contemplez la puissance de Hurlevent. C'est fait. Boum. Par contre, j'ai juste ou la mort. T'empêcher de... Voilà, c'est très bien. Je dois récupérer une carte en premier. Voilà. Sinon il aurait récupéré sa carte. Oh bah j'ai gagné les amis. Bon bah les amis. Passez derrière moi. Les amis, c'est magnifique. Alors. Laissez à ce serviteur un tour pour se préparer. Pardon, excusez-moi.
Laissez à ce serviteur un tour pour se préparer. Là, je fais pas gaffe. Un petit totem. Ouf, il arrive avec déjà 2 points d'attaque. Allez, la victoire ou la mort. Laissez à ce serviteur un tour pour se préparer. La victoire ou la mort. Et... Victoire. Une grosse victoire, je n'ai pas été défaite aujourd'hui, je n'ai pas connu la défaite. Et je viens de passer level 3. Et j'ai obtenu le paladin. Alors les amis, pour ce deuxième épisode, je pense vous laisser là. Il nous restera le voleur pour le dernier épisode, le paladin et les démonistes. Donc je vous dis, sur ce court épisode, j'en suis désolé, mais je garde du contenu pour la suite. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Ciao tout le monde, je vous aime et salut.